Ce 29 juin 2020, l'organisation politique de l'opposition a fixé position sur la situation désastreuse que le pays a trouvé aujourd'hui par rapport à l'absence de l'État Sahara. Mais qui gagne en tête des corrupteurs, voleurs, menteurs, menteuses, qui l'a tout simplement pour gagoter, piller toute petite réserve l'argent du pays. Là, nous connaissons bien qui dérive la gaffe administrative de tout le monde fond. Messieurs, dames, de Caléo, Guétan, frère, dans le dossier coronavirus là. Dans ce sens, nous constatons aujourd'hui, en pile l'argent qui est en décaissé, dépense inutilement sans ne pas porter un support, un soulagement pour les peuples haïtiens. Parce que l'organisation politique de l'opposition a décidé de porter plainte contre 5 personnes qui sont dans l'administration, Moïse Jout là. Pour être long, n'a dit yo. Un, Joseph Jout, premier ministre de facto, qui a décaissé 18 millions de dollars américains pour dons de matériel et transsanitaire. Que ce n'est pas acheté ou acheté, nous dit que c'est dons qui ont été faits avec le pays. Quand 18 millions de dollars ça a passé. Deuxième mouvement, c'est ministre de la Santé publique là. Marie Clément Guétaoua, maman menteuse là, pour disparition 200 cabanes, l'État ici était acheté et puis il revend yo. Quand cabane ça yo, troisième moun, c'est ministre environnement, Abdel Septembre, qui détournait une grosse somme d'argent qui t'a servi pour plus bon environnement dans le pays. Quatrième moun, c'est ministre travaux publics là, Foman Nader. Je assise parce que ce n'est pas ingénieur, non. Son formant qui est lié, qui a un gros volume l'argent en main pour te cas enterrer 1000 à 1500 personnes dans le pays. Je ne dis, grâce à Dieu, et bien le pays a mouru pas mouru. Nous disons que l'argent ça, ça l'a fait à l'argent ça, non, même toujours. Ce qui est mouru, mes amis, nous connaissons déjà sur tout les réseaux, c'est le directeur général. SMGRS là et la joie nèg j'étais mine pour 250 millions de gouttes monsieur Guénomé pour te faire assainissement dans pays là jeune jodi a fatra ses adresse caille tout le monde en dans pays d'Haïti nous pas parler de pauvre c'est pas nous dit dans tous les départements yo côté l'agence ça monsieur déclaré tête li li gen coronavirus li la caille li prend l'agence ça pour traiter tête li quatre gros son directeur mon cher. Voilà, c'est ça que fait. Le gouvernement a déclaré état d'urgence pour un petit groupe de monde qui a vu une plus riche sous d'autres peuples. Tandis que la population haïtienne non, non misère noire. L'inflation a augmenté avec des personnes qui là. Je veux dire, ont besoin de 120 gouttes pour un dollar américain. Quand elle s'apprête à aller, qui permet que les peuples pas qu'à manger. Insécurité a vite augmenté plus chaque jour dans le quartier défavorisé, le quartier populaire ghetto. Voilà la situation, une situation chaotique qui est un maras économique que le pays a tombé aujourd'hui. Dans ce sens, on a dit à la population haïtienne, entendez bien, moun qui volé dans l'État aujourd'hui, les plus criminels qui gang dans la rue. Ensemble, organisation politique de l'opposition, pas décidé de camper dans la rue. Dit Batala, c'est jusqu'au bout. Absalier la presse parlée, écrite et télévisée, sans que nous pas oublier presse en ligne. Nous, dans ensemble organisation politique de l'opposition, nous présenter devant la presse matin pour nous venir dénoncer, pour nous venir annoncer, excusez, que bataille nous qu'on a fait pour chômage, insécurité. La vie chère a continué à travers tous 10 départements pays. Parce que je dis, il y a une banque alcali 3 de gouttes. Il y a une banque alcali 3 de gouttes. Qui alcali 3 de gouttes, c'est Jovenel Moïse, Jout Joseph, qui a pris des décisions tête en bas envers la nation. Je dis à nous dire tout peuple haïtien, si c'est Jovenel Moïse
alcali 3 de gout ça. Si c'est jout Joseph, alcali 3 de gout ça, qui prend décision envers nation, eh bien, dans le jour où il y a tout peuple haïtien, 11 900 000 mounan, pour aller dans le pays sans chapeau avant jour. Nous même dans cette organisation politique de l'opposition, nous avons pile question pour la population. 11 900 000 mounan. 11 900 000 mounan, est-ce que nous sommes président dans le pays d'Haïti? Non! 11 900 000 mounan qui là, est-ce qu'il y a l'hôpital, est-ce qu'il y a santé, est-ce qu'il y a sécurité? Non! Eh bien, je dis, nous pas de sécurité, nous pas de santé, nous pas de président, c'est nous-mêmes qui pouvons faire légitime défense nous. Parce que je dis, nous disons au pays que pas de président, on n'est pas qu'à marcher là-dedans. Eh bien, c'est dans ce sens, dans le même espace, ça, nous avons salué tout le peuple haïtien. Nous avons salué tous les militants politiques à travers tous les 10 départements pays qui ont accompagné nous. Non, mobilisation, aspersion que nous avons fait à travers tous les 10 départements pays. Nous disons, peuple haïtien, militants, les gens qui vivent dans la communauté internationale, qui ne la pas la guerre. Parce que nous avons premier manche dans la bataille coronavirus. Premier manche pour gagner dans la bataille coronavirus. Non, qu'est-ce qu'on a vu là? C'est parce que l'État ça te dit. L'État biscuit cassa, l'État pied cassa te dit. Ligue pour l'enterrer 1500 moun par jour. Je dis à mes amis, nos pays gagne 11 900 000 moun. Eh bien, je dis à nous capables de dire, nous faisons, nous l'OEA. Eh bien, nous disons, deuxième bataille là. C'est virus PHTK qui là, qui gagne en tête, les Jovenel Moïse avec Jout. Et bien, je le dis à nous, dit, nous parlons de la bataille pour nous retirer Jovenel Moïse dans la Coupe nationale avant 7 février. C'est dans ce sens-là. Nous-mêmes, dans cette organisation politique de l'opposition, nous avons dit, avec toute force vive nation, secteur privé, société civile, secteur protestant, professeur d'école, chauffeur motocyclette, chauffeur machine, syndicat et la trié partie politique qui parle à l'osio. On fait un fond commun définitivement pour nous gagner une société sans force côté. Parce que je dis à nous une société qui est en péril avec une série de dirigeants tête en bas qui prennent des décisions envers nous. Mais c'est dans ce sens à nous dit, parole nous, c'est conviction nous, couleur chien, couleur grenier. Eh bien nous dit, nous besoin. Nous dit vive yon l'autre Haïti. Yon Haïti, côté toute population capable de vivre tant pour tout, tant pour nous. Merci la presse. L'organisation politique de l'opposition présentée devant la presse matin, c'est pour nous dénoncer et condamner avec toute force nous Alliance Negazam qui a fait tout partout dans le quartier populaire. Côté ses pouvoirs en place la même. Donc, à travers le ministère de l'Intérieur, à travers le ministre commerce, à travers une série d'autres institutions dans l'État, côté que gros l'argent débloqué, donc pour que yon unifié une série de nègres azam, tout partout dans le quartier populaire à des faits électoralistes. Et deuxièmement, pour mater question mobilisation populaire. Donc je vous dis, nous même dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, ça que nous avons dit avec tout nègre dans le quartier populaire au Cap Kebezam. Donc, nous doit toujours unir. Mais il faut que l'unification soit faite au profit des gens qui vivent dans le quartier populaire, qui sont dans le goût, qui sont dans la crasse, qui sont dans la saleté, qui sont dans la pauvreté extrême. Et nous pas oublier, dernièrement, ce ministre intérieur et citoyen, ça nous pas oublier, sous Préval, il était responsable du service d'intelligence. Qui quantité militant il était tué Front National. Eh bien, ministre intérieur ça débarqué en personne à Petit Goave. Côté que l'a fait des marches pour que li instaure un groupe gang dans Petit Goave à des faits électoralistes. Mais je vous dis, nous même dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, par rapport à la situation chaotique que le pays a trouvé, je vous dis, eh bien, nous pas arrêter bois croisé pour nous garder. Donc, gouvernement de facto en place là, qui a instauré gang tout partout dans le pays.
Donc côté que peuple haïtien a vivre dans gambou au ministre commerce journée jodi an donc qu'a fait toute sorte de gabegie administratif côté que population dans gambou sac du riz qui gagne 8 mamites là qui te qu'on a $2400 journée jodi a li $2490 sac ciment qui te qu'on a $2490 kounya journée jodi a passé à $150 galon l'huile il passe de $120 à $190. Donc, je vous dis, peuple haïtien a vivre nos grands goûts atroces. Or, pendant ce temps, le ministre de commerce, l'aide de fait venir, il propose d'arrêter des gens qui sont responsables de la maquette dans l'optique pour montrer que la faute travail sérieux. Or, dernièrement, là, gros marché noir, nègre qui fait un gaz, le ministre de commerce a trouvé dans les capacités donc pour que. L'ité agit correctement. Eh bien, je vous dis, nous-mêmes, nous avons dit, ministère commerce qui a comme mission faciliter la création d'entreprises, eh bien, il échoue à mission. Qui a comme mission assurer l'hygiène et la qualité des produits commerciaux sur le marché local, eh bien, il faillit à mission. Donc, ça qui est important, c'est que je vous dis, donc, tout corps qui est dans le ministère, yo, bon seule mission, c'est lever boîte carton l'argent, acheter des armes, acheter des balles, à renforcer la question gang tout partout dans le quartier populaire, qui la cause, journée jodi a insécurité a augmenté. Même groupe moun qui dit que yo c'est majorité silencieuse, yo, donc journée jodi a nous constater, donc y a victime tout de insécurité. Ça veut dire insécurité a son bagage qui bagage klaxon, ça veut dire n'importe moun qui a victime de li. Eh bien, je vous le dis, nous-mêmes, nous prenons courage nous avec deux bras pour que nous dénoncions le plan macabre que l'administration Moïse Joutlan a fait pour que nous tuions toute population, malgré nous connaissons. Je vous le dis, tout le monde qui a des âmes dans le quartier populaire, c'est un milieu. Ça veut dire que ça, il y a des connivences directes avec eux. Et malgré ça, nous, mini-justice, là, transformer tête en gestifra, la fête théâtre, dans tous les médias. Donc, je vous dis, solution, donc c'est le peuple qui baille. Parce que, à travers tout ce que nous faisons dans le pays, et spécialement dans la ville provinciale, ils ont montré nous qui différentes façons nous pouvons manger Mayon Kramer. Et bien, nous disons Mayon Kramer qui n'a pas le national là, moment arrivé pour que le peuple haïtien mange Mayon Kramer.